Côte d'Ivoire. Boaké, le lundi 1er juillet 2024, le mouvement des agents de santé contractuels de Côte d'Ivoire, en abrégé MASACSI, section Boaké, observe un arrêt de travail pour salaire impayé allant de 3 à 6 mois au CHU de Boaké. Il faut noter que si le ministre Pierre Demba ne s'implique pas au travail d'une solution durable, cela risque d'être un arrêt de travail collectif dans toutes les structures de santé en Côte d'Ivoire, car les contractuels de la santé font au moins 20% des ressources humaines de la santé. Monsieur le préfet de la région du Béké, objet, motion de protestation contre les salaires impayés allant de 3 à 6 mois au CHU de Boaké. Monsieur le préfet de région, le mouvement des agents de santé contractuels de Côte d'Ivoire, en abrégé, MACASI, membre de la coalition des syndicats de la santé, Quali Santé, a l'honneur de vous informer d'une motion de protestation contre les arriérés de salaire que les membres vivent depuis des mois. En effet, cette situation anormale de non-paiement de nos salaires devient récurrente, augmentant ainsi la pénibilité du travail. Le salaire étant à caractère vital, nous ne pouvons plus supporter cette souffrance qui nous est imposée et qui nous martyrise. C'est pourquoi, réunis à l'Assemblée générale extraordinaire, la section MACASI du centre hospitalier et universitaire du CHU de Boaké a décidé de crier son mécontentement via une motion de protestation qui va se manifester par un arrêt de travail dès ce lundi 1er juillet 2024. Et ce, pendant 72 heures, si rien de concret est fait, cette protestation vise à payer dès ce jour tous nos arriérés de salaire de 3 à 6 mois et la mise sur pied d'un mécanisme pour un paiement régulier de nos salaires à l'avenir. Tout en vous souhaitant une bonne réception, je vous remercie par avance pour l'intérêt particulier que vous voudrez bien accordé à notre situation. Veuillez agréer, monsieur le préfet, recevoir nos respectueuses salutations. Salut, camarades! Salut, camarades!